Good morgen, Aleiden, et tu seras aujourd'hui le Lunishmat, mon rêve Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah Batrana Rachel, Shlomo ben Esther et Richa Batraim Nechemia. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Horayot, Perek Bet Mishnah Vav, Kol Hamitzvot Shebatorach, Shechayevin Azdonan Karet, Valashigigatan, Chataat, Hayachid Mevi Kisba Useira, Vanasi Seir, Mashiach Ubet Din Mevi In Par. ובעבודה זרה, היחיד והנשיא והמשיח מביאים שעירה, ובית דין פר ושעיר, פר לעולה ושעיר לחטאת. משנה très simple, qu'on va d'abord lire, expliquer dans les mots, et bien expliquer ce qui a été écrit, et puis après on étudiera ça à l'intérieur des psukim, parce que ça nous permettra de comprendre mieux deux parachutes de la Torah. Quelqu'un qui ne connaît pas tellement les korbanot, les sacrifices commencent à s'organiser, alors il se met à lire les parachutes de Vaïkra, de Tzav, dans Shlach Lecha, ça reprend encore une fois dans les deux Bamidbar. Il ne comprend pas tellement où ça mène, ça se répète, il amène comme ci, comme ça. Mais cette Mishnah va nous permettre de faire de l'ordre justement dans tout ça. On parle dans notre Mishnah des Chataot, des Korban expiatoires que l'on apporte. Il y a trois niveaux de Korbanot Chatat. Quand on parle de Chatat Kvua, ouais, lorsque l'on transgresse une avéra sur laquelle on est passible de méside, carette, de retranchement lorsqu'on fait consciemment, la Torah nous a dit dans ce cas-là d'apporter un korban khatat, un khatat kvua, toujours la même, et on distingue trois niveaux. Il y a le yachid, le nasi, et le kohen, mashiach, ainsi que le bet din. C'est-à-dire, yachid c'est l'individuel. Lorsqu'il transgresse, il doit apporter une kisba ou seira, soit une brebis ou une chèvre. Lorsque c'est le nasi, c'est le roi qui transgresse. Alors là, la Torah, elle a insisté en nous disant que cette fois-ci, il devra apporter un sa'ir, un bouc. Ouais, dans la famille des chèvres, le mâle adulte s'appelle un bouc. Et le mashiach ou bet din mevi'in par. Et si toutefois c'est le kohen à mashiach, c'est-à-dire le kohen gadol qui a été oint par l'onction, ou encore c'était une faute nationale, alors on doit apporter un par. Un par, c'est un taureau. Ouais, faites attention, des fois, les korbanot, ils sont masculins ou féminins, ça dépend des fois, ça dépend comme la Torah l'a fixé. C'est, donc, on fait ça à l'intérieur des mots, d'accord, c'est ce que la Mishnah nous enseigne dans la première partie. Kol ha-mitzvot shebatorah, toutes les mitzvot de la Torah, shechayevin al-zdonan karet, sur lesquelles on est passible sur, si on les transgresse, bezadon, zdonan, consciemment, avec préméditation, sur lesquels on est passé d'un karet lorsqu'on les fait consciemment, alors vers le shigegatan khatat, et qu'on les transgresse en étant shogeg, et que l'on doit apporter un korban khatat. Shogeg, c'est qu'on fait sans inconsciemment, sans faire exprès, on a oublié, et on doit apporter un korban khatat d'expiation. Alors la Mishnah enseigne comme ça. Hayachid mevi kisba useira, l'individuel devra apporter une kisba, kesev, de la famille des ksavim. Comme Keves. Dans la Torah, ça s'inverse. Kesev et Keves, c'est les mêmes lettres, des fois comme ci, des fois comme ça. C'est la famille des moutons, donc c'est la brebis. Et Seira est une chèvre, une femelle. Vea Nasi. Et si c'est le Nasi, c'est-à-dire le président, comme c'est littéralement en réalité, c'est le roi, celui qui dirige le peuple d'Israël, lui devra apporter un Sa'ir. Un Sa'ir, c'est un bouc. C'est le mari de la chèvre. Au Mashiach ou Bet Din, par contre, si c'est le Kohen Mashiach qui transgresse, ou c'est le Bet Din, c'est-à-dire c'est le fameux par Elem Davar Shem Tzibur qu'on étudie depuis le début de Horayot, la faute nationale qui a été provoquée à cause du Sanhedrin, donc le Sanhedrin devra lui apporter le Korban Khatat, dans ce cas-là, Mevi In Par, devront apporter un taureau. Fin de la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, maintenant, elle va nous distinguer un autre type de Averot. Jusqu'à maintenant, on a parlé des Averot pour chaque fois qu'on transgresse un lave de la Torah sur lequel on est passible karet. Un interdit négatif, tu ne feras pas, à la différence de Pessah, on est chayav karet, mais c'est une misat assez. Idem pour la Mila. Là, on parle de faute, qui est un lave, une transgression d'un lave, d'un lota assez. Un lota assez, donc une misa négative, comme on traduit. Une misa négative sur laquelle on est passible d'un karet, alors on devra apporter un khatat kvua, chacun selon son niveau. Par contre, si on transgresse de la Avodazara, Meshogeg, on s'est trompé, on a cru que c'était permis de faire une certaine chose, on ne savait pas que c'était de la Avodazara. Alors dans ce cas-là, Hayachid, Ve'anasi, Ve'amashiach, Mevin Seira,
que ce soit l'individuel ou encore le roi ou encore le Kohen Gadol, s'ils ont eux-mêmes, ils se sont trompés, ils ont cru que c'était permis de faire telle chose, d'implorer, je ne sais pas, de se prosterner devant, peu importe, un kever de tzadik, ils s'imaginaient que c'était, qu'il allait pouvoir lui donner une bracha, j'en sais rien. En tout cas, ils ont fait une avéra de Avodazara, Beshogeg. Par erreur, ils ne savaient pas que c'était grave. C'est interdit, ils pensaient que c'était permis. Dans ce cas-là, ils devront tous apporter Bevi'in Se'ira, juste une chèvre. Ouais, juste une chèvre. C'est une femelle. D'accord ? Donc on ne fait pas de différence entre chacun. Ils devront juste apporter une Seira. Il n'y a plus qui se bat au Seira. Regardez comment c'est différent. Personne ne va apporter une Seira. Soit il y avait qui se bat au Seira, soit il y avait Sa'ir. Soit il y avait Par, pour un Khatat classique. Là, cette fois-ci, tout le monde ne va apporter qu'une Seira tant qu'on est des individuels. Et si toutefois, ou Bet Din, si on s'est tous trompés, tout l'Amisrael s'est trompé à cause du Bet Din qui nous a dit que c'était permis de faire telle chose alors qu'en réalité c'était la Vodazara. Alors dans ce cas-là, on devra apporter un par et un saïr, deux animaux, un par, un taureau, et un saïr, un bouc. Et on fera le par, la ola, ve saïr, la khatat. Le par, le taureau sera apporté en tant que ola, et le saïr et le bouc en tant que khatat. D'accord ? On a fini avec les mots de la Mishnah, on a bien structuré, c'était pas compliqué, c'était juste un simple des korbanot. Maintenant, on va apprendre ça à l'intérieur. Je prends un petit chumash parce que là, on va jouer au jongler. Entre Vaikra et Shlach Lecha. Ouais, ceux qui ont un chumash sur la main, ça vaut le coup pour vous. Mettez pause 3 secondes, allez vite chercher le chumash et on ouvre dans Vaikra, dans le Perek d'Alet, cette Perek qui va nous parler des Korbanot. La Torah l'introduit en nous disant Vaidaber Hashem ben Moshe l'emor, Hashem il dit à Moshe, Daber, c'est la partie de la semaine prochaine, mais Hashem, Daber al Ben Israël l'emor, dit au Ben Israël en leur disant, ainsi en ces termes, Nefesh qui techeta bishgaga, une âme qui fautera bishgaga par une inadvertance, qui fera une des mitzvot d'Hachem, Asherlota Asena, Veasa Mechat Mena, qui fera une des mitzvot. Et alors là, regardez bien. Pasuk Gimel, la Torah commence à nous dire Ima Kohen Mashiach qui techeta le Hashemata Aam, si c'est le Kohen Mashiach qui faute, alors là, Veikri Valchatato Hashemata par Ben Bakar. Il devra apporter un par, un taureau. Si c'est le Kohen Mashiach, donc le Kohen Gadol qui faute, alors il devra apporter un taureau. Après, on continue. Et on arrive au pasuk Yud Gimel. Vous voyez là où il y a marqué un P, ça veut dire c'est une paracha ptucha. Dans la Torah, il y a un écart. Et la Torah, elle continue en nous disant Vim kol adat Israël. Maintenant, si c'est tout le peuple d'Israël qui faute, Vene l'âme d'Avar et qui se sont trompés, alors eux aussi devront apporter un par Ben Bakar. Un taureau qui est Ben Bakar de la famille des bovins. Ouais, des bovins, ça se dit des bœufs, ouais. Des bœufs, c'est pour préciser son âge en fait, je crois que c'est qu'il doit avoir un an spécialement. C'est précisé dans ce Bachim, on aura l'occasion de le faire, Bezat Hashem. Ensuite, on continue, et on arrive maintenant au Pasuk Chafbet. Et dans le Pasuk Chafbet, il y a marqué Asher Nasi Echeta, si c'est le Nasi, c'est-à-dire c'est le roi qui faute, Versa Achat Mikol Mizot Hashem Eloka Vecholé, et donc il fera une faute, Ve'evi, ah ouais, c'est dans le passage juste après, Oda Elav Chatato Asher Chataba, quand il saura qu'il a transgressé sa faute, Ve'evi et Korbano, Serir, Izim, Zachar, Tamim, il devra apporter un bouc de la famille des chèvres, masculin, parfait, intègre, qui n'a pas de défaut. D'accord ? Donc on a déjà vu trois sortes de Chataot. Pour le Kohen Mashiach, Kohen Gadol, pour le Sanhedrin, qui a induit en erreur le peuple, donc la faute nationale, la faute de tout le peuple. Ensuite, ça c'était tout, ça c'était des parts. Ensuite, dans le pasuk Chafbet, on a commencé à voir la avera du Nasi, qui devra apporter cette fois-ci un Sa'ir. Et on continue maintenant dans le pasuk Chafzaïn. Si c'est juste un individuel, n'importe qui, monsieur tout le monde, comme nous tous, mais Amaretz, Zota, Vecholé, il faudra sa faute. Alors quoi? Alors la Torah nous dit, Oda, dans le pasuk Chafret, Oda, Elav, Chatato, Shechata, Vevi, Korbano, Seirat, Izim, Tmima. Une Seira, Nekeva cette fois-ci. Seirat Izim, une chèvre femelle de la famille des chèvres. Et après, on continue dans le Pasuk Lamed Bet, elle nous dit Vim Keves Yavi, s'il veut apporter de la famille des moutons, alors de nouveau, Nekevat Mima Yeviena, il devra apporter une femelle des moutons, donc une brebis. Et on a fini avec la parasha de Vaikra, donc on a bien vu qu'il y avait quatre parashiot, quatre séquences. Quatre paragraphes, et les deux premiers c'est un par, c'est le par du Kohen Mashiach et du par Elab d'Avar Shel Tzibur,
pour le Sanhedrin, après le Saïr pour le Nassi, et puis après, pour l'individuel, deux parachiot, où une qui nous disait s'il veut, il amène une Seira, et s'il veut, il amène une Kisba. C'est d'ailleurs intéressant, entre parenthèses, dans la paracha s'organisait Seira, et après Kisba. Et toujours, Chazal les utilise dans toutes les Mishnayot, Kisba ou Seira. Je ne sais pas pourquoi. D'accord, si vous voyez quelque chose. Mais en fait, un jour, ça vous arrive de tomber sur un texte qui vous l'expliquera. Ça m'intéresse. Jamais, je ne sais pas pourquoi. Et on parle de manière comme la Torah, elle était fidèlement à la Torah, quoi. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ça, c'était pour la paracha de Vaïka. Maintenant, dans Parashat Shlach Lecha, alors dans Parashat Shlach Lecha, la paracha où il y a les Meraglim, malheureusement, en tout cas, vers la moitié de la paracha, on reprend les halachot de korbanot, de toutes sortes de korbanot, d'apporter les bikurim. Et là-bas, dans Perek Tedvav, dans Bamidbar, on est dans le livre de Bamidbar, Shlach Lecha, Bamidbar Tedvav, et Pasuk Chavbet. Et là, la Torah nous donne une paracha qu'on ne sait pas exactement de quoi ça parle. Elle nous dit, lorsque vous ferez une avera, Beshogeg, vous apporterez aussi des korbanot, avec une différence cette fois-ci entre l'individuel et la faute nationale. On ne fait plus des différences entre le Kohen Gadol et le Nasi. Il y a juste deux possibilités. Soit un individu unique, soit une faute nationale. Et la Torah nous dit, si c'est une faute nationale, alors il faudra apporter uniquement une Seira. Ouais, c'est comme ça que c'est écrit, sans savoir de quoi on parle. Juste une Seira, et si c'est une faute nationale, alors la Torah nous précise, je les ai dit à l'envers en fait. La Torah commence d'abord à nous dire, si c'est une faute nationale, il faudra apporter un par en Ola et un Sa'ir en Khatat. Un par, donc un taureau en tant que Ola en holocauste, et un Sa'ir, un bouc en Khatat, en expiatoire. Et si c'est un individuel, sans préciser qui, alors on devra apporter juste une Seirat Izim. D'accord ? Et regardez, ça se trouve ici, donc, je vous ai dit, Bamidbar Tedvav, Pasuk Chavbet, Vechitishgu, lorsque vous fauterez. Velotas, où vous ne ferez pas, et quand la mitzvot, elle est toutes les mitzvot que je vous ai enseignées. Et c'est de là que se dire toutes les mitzvot, il faut transgresser toute la Torah pour pouvoir apporter ce korban ? Réponse, oui, à moitié. Il ne faut pas transgresser toute la Torah, mais il faut transgresser une avéra qui est grave, comme si on transgressait toute la Torah, en l'occurrence, la Avoda Zara. Cette paracha-là qui nous donne des korbanot différents, c'est parce qu'elle nous parle de korbanot lorsqu'on transgresse la avodazara beshogeg. Et la Torah nous dit, lorsque tu feras toutes les mitzvot, tu transgresseras toutes les mitzvot, c'est-à-dire tu as fait une avera tellement grave qui est shkula keneged kol averot, alors, et kol asher tziva Hashem alechem beyad Moshe min hayom asher tziva Hashem ba'ala ledorotechem. Alors, la Torah commence à pasuk chav dalet en nous disant si ça a été aux yeux de l'assemblée, c'est-à-dire c'est à cause du Sanhedrin qu'on s'est tous trompés. Alors, ve'asukol aida, et tout le peuple devra faire un par ben bakar echad le'ola. Il faudra apporter un par ben bakar, donc un taureau, en ola, en holocauste, et au seirizim echad le'chatat, et apporter un seirizim, un bouc de la famille des chèvres, en tant que chatat. Et si on continue dans le pasuk Chavzaïn, alors il y a marqué Vim Nefesh Achat Techet Avishgaga. Si c'est maintenant, c'est plus tout le peuple d'Israël qui faute, mais c'est une seule âme qui faute, mais il écriva Ez Bachnata Nechatat. Regardez, Ez, c'est une chèvre, mais ça aurait pu être aussi un bouc, c'est masculin apparemment. Mais la Torah nous précise Bachnata, qu'elle est un an au féminin. Donc on déduit que c'est une chèvre femelle qui a un an. Ok ? Et alors là, la Torah, elle continue en nous disant, bon, alors le Kohen, il fera le Korban, le Cholé, et la Pasuk, Chavtet, il nous dit, Aizrach bivne Israël, de la guerre agar betocham, que ce soit pour n'importe quelle personne du Ham Israël, ou pour le converti, le guerre Tzedek, qui a pris sur lui de porter toutes les misotes, Torah Chati Elachem, la même Torah pour tout le monde, c'est-à-dire tout le monde doit apporter le même Korban. Là, par là, la Torah, elle inclut que tous les individus, elles, qu'il s'agisse d'un simple individu, qu'il s'agisse du roi ou qu'il s'agisse du Kohen Gadol, chacun devra apporter ce même korban, là aussi, Bishgaga. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine. Hatzlacha kol tov, c'est là.